Alors, si j'ai fait tracer un 8 au sol, c'est parce qu'en tango, il y a une figure qui est très importante. L'action du pied s'appelle le swivel, mais on l'appelle le ocho, parce qu'on doit dessiner un 8 avec son pied. D'accord ? Donc, l'idée, c'est que tu es ici, et avec ton pied, tu vas dessiner le long du sol le 8. D'accord ? Tu gardes le contact au sol, donc la pointe de pied sur le 8. Donc glisse, marche. Alors, pour pas que tu tombes, ton appui il est un peu plié. D'accord ? C'est ça, ça c'est bien. Talon, talon premier pour le temps. Talon. C'est ça, c'est très très bien. Voilà, tu suis le 8 et on est bon. Super, voilà, ça c'est vachement mieux. D'accord ? Et maintenant, on va se mettre dans la vraie position de tango. Et tourne. J'arrive pas à me mettre. Avance. Je peux pas tourner ma jambe. Et si, vas-y. Et boum. Et non. Et boum. Et boum. Et la tête, regarde, une fois là, une fois là. Chou. 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 C'est bien. C'est ça, c'est pas mal. Et garde le contact. C'est bien. Marche et marche et marche.